J'ai fait le choix du coup de pas renvoyer mes enfants à l'école. Les deux grands vont y retourner, les deux petits, pardon, vont y retourner mardi et le grand la semaine d'après. Pour moi, il y a vraiment un risque. Le Covid est encore là. Il n'est pas parti. On nous dit, je vois encore des publicités à la télé. Attention, le virus est encore là. Donc, comment avec le virus qui est encore là, on envoie des enfants à l'école? Je trouve que c'est pas logique. Je dirais pas idiot, mais presque. Je me dis que le virus peut être partout et nulle part et que l'école est bien protégée. Ils ont mis en place des protocoles de manière à ce que les enfants soient en sécurité et je ne suis pas du tout inquiète par rapport à l'école. Pour leur expliquer qu'il n'y aurait pas forcément tous les copains, que ça serait une classe différente avec moins de jeux, avec des jeux de cours un peu séparés, qu'il faudra se laver plus souvent les mains, qu'il faudra faire attention. Et ils étaient prêts à tout ça. C'était vraiment leur choix à eux aussi. Je fais confiance aux enseignants de l'école. Je les connais un petit peu parce que ça fait quelques années qu'on est à l'école. Mais ils ne pourront pas être constamment sur chaque enfant, pardon, toute la journée. C'est pas possible. Les enfants, ils passent leur journée à les mains partout. Ils n'ont pas forcément encore le réflexe de pas toucher ou alors de faire attention à ce qu'ils touchent. Et après, directement, ça va être les mains dans la bouche et bah voilà. Elle était habituée dès le départ, en fait. Dès qu'on croisait des gens ou qu'elle connaissait dans la rue ou etc., elle était habituée à dire bonjour de loin, à envoyer un bisou, à voilà, enfin à se protéger et à se laver les mains dès qu'elle avait été en contact avec quelque chose qui potentiellement pouvait être contaminé.